Alors, pour démarrer cette émission, nous avons l'instant magie que nous proposons aujourd'hui avec l'ambassadeur magie qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, monsieur Yannick Koffi. Bonjour Thierry. Bienvenue. Oui, merci. Alors, vous êtes ambassadeur, bon, excellence, hein, quand même ambassadeur. On dira pas ça. Alors, ambassadeur magie avec nous, vous allez d'abord nous présenter les produits que vous nous emmenez ce matin. D'accord. Mm-hmm. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de découvrir ensemble la gamme de produits magiques qu'on a en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. On va commencer par Magie Tablette, qui est notre recette phare, la recette standard, pardon, qui est disponible en Côte d'Ivoire en 10 grammes. En 10 grammes. Okay. Et en 4 grammes. Donc, pour le cube Magie Étoile et Magie Tablette, vous avez la même recette. Voilà. Okay. Mm-hmm. Et donc, après Magie Tablette, vous avez Magie Goût Poulet. Oui. Qui est une recette pour nous un peu typifiée. Mm-hmm. Vous avez dedans de l'arôme de poulet et plein d'autres épices. Magie poulet, par contre, est déclinée dans un autre format qui lui est disponible en supermarché, qu'on a lancé, je crois, à la faveur du mois de mars. Mm-hmm. Donc, ces deux produits-là sont disponibles sur le marché de Côte d'Ivoire. Donc, on a le choix. Hein, oui, on a le choix, voilà. Et enfin, on a Magie crevette qui lui aussi est disponible en 10 grammes et est disponible dans un pack de 10 dans les supermarchés. Et à la fin, on a la très connue bouteille d'arôme magique, voilà. Mm-hmm. Alors, parmi ces produits, quel est le plus prisé, le plus utilisé? Je dirais le plus utilisé par nos consommateurs, c'est Magie Tablette. Magie Tablette, voilà. Oui. Mm-hmm. C'est, on va dire, c'est la recette qui part avec toutes les recettes ivoiriennes ici, voilà. Ouais. C'est elle qui permet de donner de la saveur, du goût à ces recettes-là. Alors, pratiquement pareil, hein, comme le cube que nous avons. Oui, oui, c'est la même recette. C'est la même recette. C'est la même recette. Mm-hmm. Ce qui diffère, c'est le grammage. Voilà. Ok. Alors, avec vous aujourd'hui, nous allons parler de la mixité des bouillons magiques. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'on entend par mixité? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la mixité, c'est vraiment un terme assez technique, mais à la base, c'est une pratique que les dames ont l'habitude d'avoir dans les cuisines. Mm-hmm. C'est simplement utiliser un bouillon magique avec un autre. Donc, je dirais par exemple utiliser Magie Tablette dans une recette avec Magie Crevette. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fabrique nos produits, mm-hmm. on leur donne des petites missions dans les recettes. Okay. Et donc, Magie Crevette, par exemple, est une recette qui partirait avec des plats faits à base de feuilles, de poissons, de crustacés. Mm-hmm. Magie Tablette, c'est une recette qu'on peut utiliser dans tout type de plat. Dans tout type de plat. Tout type de plat, c'est vraiment... Dans tout. Voilà, c'est vraiment le bouillon passe-partout, c'est lui qui relève le goût de vos recettes, donc vous pouvez l'utiliser autant dans une recette à base de poulet, de poisson, de viande. Et vous avez Magie Poulet qui, lui, par contre, va servir à tout ce qui est plat fait à base de vanche, ça vous permet d'avoir cette saveur-là de poulet dans la recette. Donc, la mixité, c'est tout simple, c'est chez moi à la maison, je prends Magie Tablette, je prends Magie Poulet, je fais mon yassa. Ok. Voilà, c'est ça la mixité. Est-ce qu'on doit le faire? Oui, mm-hmm. on doit le faire parce que la cuisine, c'est la recherche du goût. C'est comme de l'art, on va mélanger certaines épices pour avoir une certaine saveur, pour donner un goût à ce qu'on fait comme préparation. La particularité de nos bouillons, c'est que c'est vraiment vous avez du sel d'un côté et un bouquet d'épices. Donc, en utilisant, je veux dire, deux bouquets d'épices, vous allez avoir plus de saveur, plus d'arômes et autres. Voilà, donc... On peut le faire aisément, il n'y a pas de risque à le faire. Et comme je disais, c'est vraiment des épices que vous mélangez dans votre recette. Et ça, déjà, les femmes le font dans leur cuisine. Quand vous entrez dans une cuisine ivoirienne, vous ne verrez pas une sauce qui va se faire à base d'une seule épice. Vous allez retrouver du poivre, de l'ail. Elles vont même mélanger plusieurs protéines, la viande de mouton, ou du poulet parfois. Même y rajouter du poisson ou des crustacés. Donc, vous allez avoir tout ce mélange-là qui va faire la sauce. Et puis voilà. Et donc tout ce mélange se fait aussi avec les bouillons magiques. Oui, tout ce mélange se fait avec des bouillons magiques parce qu'à la base, c'est des recettes de cuisine aussi. Donc vous pouvez les mélanger entre elles et puis les consommer sans problème. Mais dans tous les cas, on a le choix hein, entre utiliser simplement du magie poulet ou crevette. On a le choix, il y a des personnes même qui nous étonnent parfois, qui utilisent magie crevette sur des recettes à base de poulet. Ah bon? Oui. Vous savez, la cuisine, c'est un peu comme les couleurs. C'est vraiment à la tête et au goût de la personne qui fait la cuisine. Donc, vous avez des personnes qui utilisent des produits dans un cadre assez différent de ce qu'on a défini comme mode d'utilisation et qui nous disent que les recettes qu'elles développent avec ces bouillons-là sont assez agréables. Donc, on découvre aussi quand on fait nos tournées et nos concours culinaires,
On a des, je veux dire, on a des combinaisons que nous-mêmes on n'avait pas imaginées. Vous avez des personnes qui vous rajoutent de la crevette et du poulet dans la même recette. Mais bon, à la fin, vous obtenez quelque chose d'assez délicieux et voilà. Et c'est tout ça l'esprit créatif hein, de, oui, c'est tout ça de la personne qui est dans la cuisine. Oui, c'est pour ça en fait qu'on dit que nos consommateurs sont des étoiles, parce que pour nous, elles arrivent à se démarquer des autres en sublimant la cuisine. Voilà. Oh, ça c'est bien dit ça. Mm-hmm. Alors parlant de mixité, il y a l'arôme magique qui est aussi de mise. Hein? Oui, mm-hmm. Oui. L'arôme magique, lui, il peut être utilisé, il est conseillé à table. On peut l'utiliser aussi bien dans les marinades, mm-hmm, que pour assaisonner les grillades. Mais bon, lui, il intervient beaucoup plus, on va dire, à la fin de la cuisson. Mm-hmm. Aussi bien que les autres, ils peuvent intervenir aussi à la fin de la cuisson. Mais bon, lui, vous aurez déjà eu à utiliser les autres bouillons et ensuite à le rajouter. Donc, c'est aussi de la mixité parce qu'à la fin, on va se retrouver avec magie arôme, mm-hmm, et magie tablette dans la même recette. Voilà. On ajoute ça peut-être pour corser un peu le goût. Oui, mm-hmm, vous savez, comme je disais, la cuisine et le goût, c'est vraiment à la tête de la personne qui pratique. Donc vous avez des personnes qui vous diront que le goût n'est pas assez relevé, qui vont vouloir donner le goût particulier, voilà, en rajoutant magie arôme. Alors on va représenter tous nos produits qui sont là pour nos téléspectateurs. D'accord, donc je commence par le premier, magie tablette, oui, qui est disponible en 10 grammes et 4 grammes. Le 4 grammes c'est magie cube étoile. Oui. Vous l'avez aussi disponible dans ce format là, qui est maintenant disponible dans tout ce qui est supermarché et pour le vendre de ce type là. Moi j'aime bien ce format parce que déjà quand on le vend on a envie de envie d'acheter. Effectivement l'emballage est vraiment appétissant. On a un plat assez intéressant dessus et c'est quelque chose qu'on a pensé pour des personnes qui n'ont pas vraiment besoin en fait d'utiliser la grande barquette où vous avez 60 unités. Ici vous avez 10 unités, ces 10 unités là vous pouvez les prendre, les conserver chez vous et puis les utiliser. On imagine que ça s'écoule très vite. Hein. Oui. Oui, oui. On doit à nos consommateurs, on leur dit merci pour ça. En tout cas, c'est bien pensé. C'est merci. Alors, on poursuit. D'accord. Après magie tablette, on a magie goût poulet. Mm-hmm. Magie goût poulet, qui nous est disponible dans ce format-là, format de 10. Ouais. Magie goût poulet, on a magie crevette, disponible aussi dans le format de 10. Mm-hmm. Et pour finir, on a notre bouteille d'arôme qui, elle aussi, est disponible en deux formats. Ici, vous avez le format 138 ml qui est beaucoup plus petit et le format 258 ml qui est beaucoup plus grand. Voilà. Mmh. Alors, quelques recommandations pour nos téléspectateurs. D'accord. En termes de recommandations, ce qu'on dit à Magie, c'est d'utiliser pour une préparation de 6 personnes, 2 bouillons Magie, c'est-à-dire 2 bouillons de 10 grammes, 2 tablettes, soit Magie tablette, 2 bouillons Magie tablette ou 2 bouillons Magie poulet, où vous pouvez les mélanger pendant la préparation. Donc, 2 bouillons de Magie de 10 grammes pour une préparation de 6 personnes sans ajouter de sel. Sans ajouter de sel. Sans ajouter de sel. J'insiste dessus parce que nos produits sont faits à base de sel et la quantité contenue dans 2 bouillons de 10 grammes est suffisante en fait pour avoir le goût de sel que vous recherchez pour votre préparation. Voilà. Monsieur Yannick Kofi, l'ambassadeur magie, est tout vêtu de oui, dans les couleurs on, magie. On est aux couleurs de la marque et on est en debout pour le vendredi, donc on va dire qu'on attend très haut pour la prière. Oui. Et on dit bien de choses à nos consommatrices musulmanes qui aujourd'hui ont la prière de 13h. Et qui utilisent aussi magie. Oui, surtout, qui utilisent beaucoup magie et voilà, on leur dit merci aussi à elles. Et comme on est vraiment dans le cadre de la rupture du jeûne, on est dans la période de jeûne, on leur dit merci aussi parce qu'elles utilisent nos produits, surtout à la rupture, pour faire les repas, donner de la saveur, donner de la joie aux familles, à ce moment de partage-là. Ok. Merci beaucoup, monsieur Yannick Kofi. Merci, Thierry. Merci d'être venu et puis on sera très heureux encore de vous recevoir ici. Ah, j'espère qu'on va m'inviter encore. Donc, on sera là. Vous. On sera là. On a le devoir, on a le droit, on est obligé de marcher ensemble. Merci. Merci d'être venu. Alors, merci, c'était Yannick Kofi, ambassadeur magie. Il faut le préciser pour nous présenter les produits magie et surtout parler de cette mixité-là qu'on pourra avoir avec ces produits magie-là. Merci d'être venu. Excellent vendredi à vous.